Allez, salut tout le monde, c'est Azorik Piracien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 33, les amis, de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. C'est au niveau de l'épisode précédent. Nous avons continué les figurines Tendo dans lesquelles nous avons, commencé un petit peu. Et on avait même bien entamé l'île aux forêts. Donc, en fait, il nous manquait juste quelques petites figurines. Mais, souvenez-vous, on en avait... Enfin, il manquait quand même quelques-uns. Et en fait... Au cas où on s'était quand même rendu dans les bois défendus, parce que pour le moment on avait fait tout ce qu'on, même en termes de Tendo, on avait fait tout ce qu'on peut faire maintenant. Et donc on était rendu du coup dans les bois défendus, donc qui est le deuxième donjon, hein, où il y a le petit Korogu, hein, qui nous attend. Et donc du coup voilà, on est rendu ici. Alors il faut que je mentionne des touches. Alors par contre j'ai une très bonne nouvelle au niveau de ce let's play. Au cas où j'ai attendu Jeff Grubb et tout ça, hein, et des sources qui dit que ce jeu va sortir de sources sûres, mais vraiment de sources sûres cette année, tout simplement sur Switch. Et donc du coup je suis honnêtement très content. Il annoncerait cet été, donc logiquement peut-être à l'E3 2021, vu qu'elle est programmée, hein, elle sera en version numérique, mais elle est toujours présente. Mais donc du coup à mon avis ça sera vraiment à l'E3. Donc évidemment ça veut dire qu'on refera le let's play. Alors d'après ce que j'ai compris c'est un bundle, hein. On aura peut-être deux collections. Donc un bundle qui n'expirera jamais, donc Ocarina of Time, The Legend of Zelda Wind Waker HD et Twilight Princess HD. Et un autre qui sera Twilight Princess HD tout simplement. Par contre attends, elle va faire des conneries sinon elle. Voilà c'est bon. Et une autre, voilà, The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Donc vraiment je me languis. Alors les photos, il faudra que je voie un petit peu ce que nous avons pris. Donc ça sert pour ça. D'accord, vraiment je suis le boulet. Le boulet sur patte. T'es sérieux? Allô? Ah d'accord, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Hop. Merci. Ah oui, c'est logique, hein. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Alors là il y a le chaudron braveur. Allez, merci. Oh putain, toi je vais te boomer. Merci. Et donc oui, voilà quoi. Donc du coup ça veut dire que... Alors oui, pour continuer donc dans ce que je voulais dire, je le continuerai après avoir récupéré ce coffre. Ouh. Merci. Là c'est vraiment pour les gelés chouchous que je fais ça. Sachant qu'on en a oublié un. C'est celui-là en haut à droite. T'es sérieux? Merci. Merci. Par contre, ils font chier, non? Merci. C'est lequel que j'ai oublié, c'est toi? Ouais, parfait. Ok. C'est bon? Oh, t'es sérieux? T'es sérieux? Allez, viens ici. Merci. Ah bah putain, non! Il en fallait du temps. Allez, go. Oui, on va pouvoir récupérer le coffre. Après, je termine ce que j'avais envie de vous dire. Tout simplement. Donc, c'est un coffre assez important, vu que ça fait un partie d'un coffre où il y a une petite cutscene. Bon, c'est dans un donjon, donc logiquement, voilà, c'est la carte du donjon. Vous obtenez la carte du donjon, vous pouvez maintenant voir les pièces que vous n'aviez pas encore visitées. Consultez la carte sur la Wii U Gamepad. Donc oui, donc pour continuer un petit peu sur ce que j'ai dit, déjà on peut voir un petit peu la carte. Alors, il y a un total de 4 étages, 5 étages. Donc il y a le troisième étage, le deuxième étage, qui est pas non plus fou, le premier étage. Oh, bah ça va, c'est assez petit, mais bon. Voilà, c'est assez petit, mais bon. Donc oui, pour continuer ce que je disais, il y aurait, d'après des sources de collection, dont un qui n'expirerait pas après l'anniversaire et un qui expirerait. Donc, soi-disant, il y aurait la collection qui n'expirerait pas, c'est The Wind Waker HD Twilight Princess HD, qui serait prévue. Normalement, c'est elle qui sortira en premier. Et en deuxième, il y aurait... par contre, c'est assez risqué, non? Attends, j'étais vraiment pas prêt. Ok, attendez, il faut que je comprenne. Attendez, en fait on va où là? Ah c'est vraiment pour aller en haut. Et qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a un truc en bas j'imagine. Attendez, bon, on va d'abord aller... Non, on va aller d'abord en bas parce qu'on a l'air de pouvoir remonter après. Ah d'accord, oui, il y a vraiment... Tiens, ça y va sur les gelées chouchous. Ils aiment ça, non? Ok. Merci. Oula. Attention. Il nous en manque un seul, je crois que c'est lui. Merci. Allez, viens. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. C'est bon? Oh, presque. C'est bon? Merci. Mais putain, il en fallait du temps.
Oui, donc voilà. Et le deuxième, tout simplement, donc il sortirait d'abord en premier le Wind Waker HD, le Twilight Princess HD. Et le deuxième, la deuxième collection, ça serait vraiment une genre de collection héros du temps, quoi. En gros, il y aurait le Ocarina of Time et Majora's Mask uniquement sous format optimisé, hein, pas remasterisé de ouf, pas comme Skyward Sword par exemple. Skyward Sword, d'après ce que j'ai compris, n'expirerait pas non plus, donc voilà. Non, mais il y a que celle-là qui expirera après la date, donc la date qu'ils auront indiquée. Et donc après, ça, pour moi, ça semble à dire logique, vu qu'à mon avis, ces jeux vont être retravaillés de ouf pour une version remasterisée, vraiment pour une version remasterisée de dingue, à mon avis, il va être retravaillé. Donc j'estime ça logique, après, vous en faites ce que vous voulez, mais j'estime ça logique. De la part de Nintendo. Par contre, on est bien d'accord que ça c'est pour faire. Attention. D'accord. T'es vraiment pas doué, non? Après, on va viser quand même. Hop. Merci. Oh, d'accord. Faut le faire plusieurs fois. Ok. Bon, après, il y a du feu. Donc, est-ce qu'avec le feu, ça irait pas peut-être un petit peu plus vite? On va tenter. Genre, on fait ça. Merci. Oui, ça va beaucoup plus vite. Hop. Non, bon, j'allais dire, le coffre il va brûler, non? Non. Alors, vous obtenez un blaston d'épée ici. Il sera rangé dans votre sac à butin. Quiconque connaît bien le maniement de l'épée en sait la valeur. Ok. Donc, ok. Donc, du coup, ben, on va pouvoir un petit peu continuer. Hein. Et voilà. Donc, ouais, je vous ai dit un petit peu sur ça. Sur ça au niveau de. Après, c'est des, c'est des sources pour moi fiables, vu qu'ils ont toujours été fiables dans le passé. Et en général, mes sources sont pas non plus. Enfin, je fais attention avec les personnes que je fréquente au niveau des sources. Donc, il est fort probable que ça soit vrai. Même si, voilà, on peut quand même leur apporter un peu de crédit. Enfin, un peu de doute, on va dire. Mais logiquement, ça devrait être ça. Hein, logiquement, ça devrait être ça. Après, voilà, après, au cas où ça semble logique, hein, en garder une version où tout simplement, vu qu'ils ont déjà été remasterisés TP et Wind Waker, il n'y a pas besoin de le retravailler de fou, hein. Ils ont juste à le porter tranquillement, peut-être ajouter un ou deux trucs dedans. Et par contre, Ocarina of Time et Majora's Mask, en version HD, enfin, rehaussée, hein, précisément, une version rehaussée. Et une version. Comment ça s'appelle? Une version optimisée, hein, vraiment, genre rehaussement. Rehaussement et pourquoi pas, hein, pourquoi pas une grosse surprise comme. Enfin, une grosse surprise, des trucs exclusifs, même si ça m'étonnerait. Mais à mon avis, un rehaussement et un écran un peu plus étiré. Ça semble pour moi. Putain, mais t'es vraiment débile. Ça, pour moi, ça semble logique. Après, je dis ça, hein, je dis rien. Pour moi, ça semble vraiment logique. Cette logique, tout simplement. Non, merci. Alors par contre, il y a une porte ici qui mène. Ok. Ça mène où là? Attention, on va aller un petit peu voir. Je vais y arriver. On est au premier étage, deuxième étage. On me dirait qu'on pouvait aller un petit peu plus haut, mais le problème c'est que. Le problème c'est que là-bas il y a un truc aussi. Est-ce qu'on peut souffler pour. Pas du tout. On peut rien faire. Ouais, on peut rien faire. Donc à mon avis, c'est. Ah mais putain, mais vraiment. Faut que j'ouvre les yeux. Ah oui, du coup, c'est beaucoup plus facile, effectivement. Je vous jure. Allez, go, dégage. Ah attendez, c'est pas le système où tu dois faire ça. Voilà, si, c'est ça en fait. Tu dois simplement viser en arrière. Et pas toucher le truc, ça servira à rien. Ok. Ok, on entre dans une salle. Donc on entre dans une salle qui. Ok, qui continue après. Il faudra également prendre en photo certains types d'ennemis. Donc eux, normalement, on les a déjà pris en photo. D'ailleurs, je vais un petit peu voir ce que nous avons en photo. Non, non, non. Merde. Ok, nous avons le petit Korogu ici. Et cet ennemi là, ok. Ok. T'es sérieux là? Allô? T'es sérieux là? On peut vraiment pas le battre comme ça? Ah ben si, attendez. Quel con. Voilà. Pour le calmer un petit peu. Voilà. C'est bon. En fait, lui, il donne rien du tout, en fait. Ouais, il donne rien du tout. Ok, ok, ok. Ouais.
Et oui, donc voilà quoi. Après, on verra ce que cela donne. Hein. Honnêtement, je me languis. Donc, soi-disant, ça sera annoncé cet été. Hein, donc, peut-être ça sera déjà annoncé à l'heure actuelle. Hein. Ça m'étonnerait, vu que quand même on sera pas à l'été. Vu que vous, normalement, vous regardez cette vidéo en avril. Début avril, on est en printemps. Normalement, c'est censé être annoncé à l'été, sûrement le 3. Hein, mais peut-être il peut y avoir des chances que Nintendo nous lâche avant. Parce qu'ils veulent pas faire de l'ombre à fin. Ça semble logique qu'ils veulent peut-être pas faire de l'ombre à Pokémon, hein, l'anniversaire de Pokémon, qui est au cas où actuellement ça va vous faire bizarre, ça va vous faire vraiment bizarre, mais à l'heure actuelle il n'y a encore pas passé, il y a déjà la Pokémon présente qui a été annoncée, mais c'est pas passé. Donc oui, au cas où la vidéo que vous regardez a été tournée en février, au cas où, oui, mais je m'avance, hein. Je préfère m'avancer parce que je sais pas s'il va se passer quelque chose ou pas dans le futur, dans le sens, je sais pas si mon PC va pas lâcher ou quoi que ce soit, donc je préfère prendre de l'avance, sachant qu'il faudra que j'arrête évidemment de prendre de l'avance, ou en tout cas que j'en prenne très peu pour filmer Skyward Sword HD, donc je vais pas pouvoir en prendre de ouf, hein, bien sûr, donc du coup, il faudra que je fasse un petit peu attention. On est bien d'accord que là... Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, on peut faire ça. Donc, on va faire ça. Merci. Attention. Voilà, c'est bon. On a le talent. On a du talent. Et du coup, nous avons un petit coffre en bois. Bon, qui contiendra rien de spécial, mais... Voilà, un petit rubis rouge. Hein. Vous obtenez un rubis rouge vaut 20 rubis verts. C'est formidable. Ouais, c'est ce que vraiment, on peut appeler ça formidable. Je sais pas. Mais ta mère la chienne? Putain. Monte. Bah oui, abruti. Voilà. Par contre, je peux pas toucher ça pour le moment, donc j'oublie. Ah bah d'accord, oui. Donc oui, du coup c'est logique. Comme ça, oui, c'est logique. Allez, viens. Viens. Merci. Donc ça. Heureusement que ça consomme pas de la magie, vous imaginez? Ils peuvent nous le faire dans la version Switch, donc faut quand même pas s'emballer, hein. Mais bon, ça nous consomme pas, de la magie. C'est déjà une bonne chose. Mais t'es vraiment débile. Pose-le juste délicatement. Quand même, non, pas jeter. Poser. Voilà. Et du coup, bah c'est parti. Allez go. Merci. Putain, mais t'es... Oh là 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 là. Putain, mais qu'il est pas doué. Là, il va se casser. Hein. C'est à partir d'un certain temps, donc... Aïe, je vous jure. Allez, go. Allez, viens, donne. Ben alors. Ah, merci. Alors du coup, bon, cette fois-ci on va pas se fail. Voilà. On va pas se fail, on va faire les choses délicatement. Voilà. Et maintenant, on y va. Tac, tac. Voilà. Le plus loin possible. Attention. Ok. Et par contre là, ça, c'est assez chaud. On croirait pas comme ça, mais c'est vraiment le truc bâtard qui peut. Voilà. Qui peut te faire chier. Alors par contre, carte. Ouais, bon là il faut quand même pas commencer à s'emballer en fait. Il y avait un truc en haut, hein, tout à l'heure. Bon, il faudra un petit peu voir en haut. Ok. Bon, bah ok. Ah bah attendez, c'est easy. Bah oui, c'est easy. Bah oui, faut être intelligent. Dégage. Voilà. C'est pas non plus très difficile ça par contre. Hein. Celui-là. Comme Agnim, c'est vraiment pour apprendre à manier le fonctionnement de la feuille Mojo en fait. Mais bon. Oh. Ok. Il y a des trucs en bas. Il y a des trucs de partout. Mais de partout. Bon. Question. On va où en premier? Est-ce qu'on va en haut ou en bas? En bas, on peut pas y aller. En bas, on dirait qu'on peut pas y aller. Donc, autant y aller en haut, en fait. Je crois que j'ai pas le choix d'aller en haut. Ouais, on va aller en haut pour le moment. Ça suffira. On va aller en haut pour le moment. De toute façon, nous avons pas réellement le choix, en fait. Le jeu nous laisse pas réellement le choix. Ah, bah, parfait. Ça va nous servir. Allez, on y va délicatement. Pas besoin de se précipiter. Il y a bien d'un...
Ok, il y a bien un truc ici. J'ai vraiment pas rêvé. Ok. Merci. Pourquoi pas, hein. Merci, c'est bien cette petite gâchette. Ok. Donc ça, à mon avis, on peut même aussi l'amener en bas. Donc il y a plein d'ouvertures. En fait, il y a déjà un truc qu'on pouvait aller au premier étage, là. Rez-de-chaussée. Non, c'est ici. Ouais, au premier étage. Donc il fallait aller tout en haut. On n'y a pas été. Et là, ça nous offre encore plein de possibilités. Genre, on peut aller... voilà, il nous faut une clé, donc ça va. Mais après, on peut aller en haut. Après, on peut aller en bas. On peut aller de partout, en fait. Donc, d'abord, on va aller en haut. Hein, tout en haut. Et puis après, on verra ce que ça fait. Après, on verra. Hein. On va d'abord aller là. Et puis après, on ira surprendre les petits chemins intermédiaires. Voilà, donc déjà, ça. C'est cool. Oh, le chaudron! Le chaudron, bon ben ça c'est fait. Ouais mais bon. Ok c'est gentil, mais il y a un truc là. Il y a des trucs de partout dans ce niveau. Il y a des accès de partout. Bon d'abord faut... Non. Putain quel con, mais quel con. Je vous jure j'ai été con. Je me suis trompé de touche, oui. Je me suis vraiment trompé de touche. Ce n'est pas grave, de toute façon. On va remonter, sachant qu'en plus on va pas tarder à s'arrêter. On va pas tarder à s'arrêter. Oh non mon bébé tu vas pas dehors. Tu peux miauler autant que tu veux, mais tu vas pas dehors. Alors du coup, oui, on va continuer. Alors. Non. Par contre, putain, à chaque fois je me fais avoir. Putain, mais comment? C'est R, mais bordel, j'appuie, hein. Depuis tout à l'heure. C'est dingue. En fait, j'appuie sur le R, du coup, vu que ça marche pas, j'appuie sur les autres touches et finalement, vu que ça va... Bah, évidemment, ça marchera pas. Ah là 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 là, je vous jure. Donc évidemment, oui, Wind Waker, on reprend bien. Ne vous inquiétez pas, les autres Let's Play vont bien reprendre. Il y en a plein d'autres que j'aimerais bien reprendre, comme Portal Knight, Ni No Kuni, tout ça. Hein, mais ça arrive de temps en temps. Ça, vraiment, je sais pas si je vais là. Je sais pas, en fait, si je vais d'abord en bas, si je vais d'abord en haut. Je ne sais pas. Donc on va d'abord aller là, on va d'abord aller à l'accès. J'ai eu chaud, non? J'ai eu très chaud. À l'accès de ce que nous avons débloqué. Ok. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah, j'ai compris, c'est ça cette merde. Bah on va te prendre en photo mon gars. Bah voilà. Ce petit cliché. Par contre, il y a un coffre. Ah d'accord, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la pourriture ces petits trucs à la con. En tout cas, vraiment, ce jeu est magnifique, car il n'y a rien à dire, en fait. Ce jeu est totalement magnifique. Par contre, toi, tu dégages. Merci. Et du coup, on va pouvoir prendre ce petit coffre qui contient un rubis jaune. Vous obtenez un rubis jaune. Un rubis jaune vaut 10 rubis verts. Waouh. Allez, on continue notre progression. Hein, on continue notre progression. Et après, on va s'arrêter là, parce que là... C'est pute, ça. Parce que là, ça commence à être tard, hein. Et j'ai pas non plus envie de faire durer l'épisode pendant 100 ans alors que ça ne servira à rien. Oh, mais tu fais chier, non? On te l'a dit, tu fais sécher? Merci. Bon, on l'a pris en photo. J'ai bien conservé le cliché, hein. On est bien d'accord, est-ce que j'ai conservé le cliché? Je me trompe toujours, les touches. Non, c'est pas ici, de toute façon. Ouais, c'est bien. J'ai bien conservé le cliché. Ah! Ah! Oh! Oh! Oh oui, plein de rubis, ça je suis d'accord ça. Ouais. Alors, bah oui, comment se fait toucher? Ok, ça c'est la mort. Ouh, par contre ça va être chiant ici. C'est très chiant. Bon, c'est ok, là-bas on peut pas y aller de toute manière. Alors on n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ça fait vraiment rappeler un labyrinthe dans Twilight Princess aussi. Il y a à peu près ce même type de labyrinthe. Donc toi t'es mort. Ah, d'accord. Non. Allez, hop, on va ouvrir. Merci. Et on va aller de l'autre côté. On va d'abord prendre le coffre, vu qu'il est là, de toute façon. Et après, on va s'arrêter là, vu que le coffre... Vu que là, il est 20 minutes. Donc, je préfère m'arrêter là. Ça, au moins, c'est fait. On continuera le donjon dans le prochain épisode. Vous obtenez la boussole. Vous connaissez désormais l'emplacement de certains nombres de trésors dans le donjon. Consultez l'emplacement sur la carte. Donc j'espère que cet épisode, les amis, vous aura plu. Je vous en remercie de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 33 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda The Wind Waker HD. On se retrouve donc du coup pour l'épisode prochain dans lequel nous
termine, enfin, en tout cas, nous continuerons le donjon. Je sais pas si on va pouvoir le terminer ou pas, je n'en suis pas sûr. À mon avis, il faudra peut-être encore un autre épisode derrière. Mais en tout cas, voilà, on le continuera la fois prochaine. Il est fort probable d'ailleurs que nous affrontons le mini-boss la fois prochaine et que nous obtenons du coup l'objet du donjon. Donc, on se retrouve la fois prochaine, qui est normalement en fin de semaine pour vous. Donc, dites-vous que les prochains épisodes arrivent très vite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.